Bonjour à tous et bienvenue, Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation. Et j'aurai à mes côtés Christophe Dugarry qui nous livrera son analyse technique. Salut Grégoire, salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce qui, je l'espère, sera un grand moment de football. Alors Christophe, quel est votre pronostic d'avant-match? Ouais, c'est une vraie opposition de style qui s'offre à nous aujourd'hui. On verra et qui des deux équipes arrivera à l'emporter. La frappe! Oh, le but! Oui, ils sont heureux, mais ça ne comptera pas. Regardez le long de la touche, le drapeau s'est levé. Oh, il l'a jugé hors-jeu, ce but ne sera pas validé. Effectivement, le public n'est pas d'accord avec l'arbitre, mais même si la décision est venue un peu tardivement, c'est quand même la bonne. C'est une faute, coup franc accordé. La construction démarre là, avec lui. C'est le moment de construire. Il va frapper. Une intervention propre et nette pour récupérer le ballon. Il va pouvoir frapper. Le drapeau s'est levé hors jeu. Ouais, mais il est dans son registre. Il traîne souvent à la limite du hors jeu. Mais là, il était clairement en avance. Sandro. D'Alessandro. Tyson. Tyson. Ah, c'est un beau geste défensif. Et il faut que quelqu'un vienne l'aider. Il est sur le côté. La frappe! Le gardien pour la première intervention et le défenseur ensuite. Il est sur l'aile, il est bien placé. Belle passe. Défensivement, ça reste parfait. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Le ballon, bon, dans l'espace libre. Frappe d'Alexandro. Oh, le cadre se dérobe pour quelques kilomètres. Ouais, malgré la bonne présence du défenseur, il arrive à trouver un angle de frappe, mais c'est dommage. La défense l'empêche de passer. Il peut marquer. C'est ça. Jusqu'au bout. Que c'est beau, que et c'est voilà beau. Le premier but. Il était au bon endroit. C'est un but tout en opportunisme. On a vraiment senti que le ballon lui avait échappé des mains. Il a mis les gants en peau de pêche ou quoi. C'est pas possible. Quel cadeau offert à l'adversaire. D'Alessandro. Et le danger n'est pas éloigné. Le gardien l'a attrapé. C'est bien fait. La défense qui réussit à mettre ce ballon en touche.
La passe en retrait. Il trouve son coéquipier. Coup de sifflet normal, il est hors jeu. Ouais, c'était juste, mais on le voit, il est effectivement hors jeu. Il donne son ballon derrière. On a presque atteint la demi-heure de jeu. C'est un ballon donné à l'adversaire. Belle défense. Il faut faire le bon choix. Hors jeu, les défenseurs vont pouvoir un peu respirer. Ouais, aucun doute, le hors jeu est évident. Mais c'est vrai qu'à vitesse réelle, on aurait pu se tromper. Alessandro. C'est lui qui doit créer du jeu. Que va-t-il faire? Et ça peut repartir de l'autre côté. L'attaque ne donnera rien. Tyson. Tyson. C'est propre et efficace, il lui a pris le ballon. La tentative. Il peut récupérer, deuxième chance. Il n'avait pas réussi à saisir complètement le ballon. Heureusement pour lui, son coéquipier en défense était là. Il sort de son but et capte ce ballon. Un seul coéquipier dans la surface. Ce sera vers l'arrière. Il prend sa chance. Quel but! Attendez, oh non, il est hors jeu, dit l'arbitre. Oh, il était en position de hors jeu, le but ne sera pas validé. Ah, le joueur, il était déjà en train de célébrer son but et il vient juste de se rendre compte que le but avait été refusé pour hors jeu. Alessandro. Un ballon toujours sous contrôle. Trois coéquipiers dans la surface. Défensivement, c'est parfait, de la tête. La fin de cette première période, les joueurs vont pouvoir aller se reposer et ils en ont vraiment besoin. Là, ils donnent une véritable leçon de football. C'est un plaisir. Ils utilisent à merveille tous les espaces du terrain, mettant constamment en difficulté la défense adverse. 1-0 à la pause. Rien n'est fait, évidemment, dans cette rencontre. Rendez-vous en seconde période. Continuer comme ça, c'est sans doute ce qu'a dû dire l'entraîneur dans les vestiaires à la mi-temps. C'est aussi ce qu'espèrent leurs supporters. L'international est mené d'un but. On attend maintenant la réaction. Il est allé avec les points, mais il concède la touche. Dans la surface de réparation. Joli tir, mais loin du cadre. Ah ouais, mais il était totalement démarqué. Comment n'a-t-il pas pu ajuster sa frappe? C'est incroyable. Guignassou. Tyson. Excellent ballon dans l'espace. Bien vu de la part du défenseur. Il dégage en corner. Et du mouvement dans la surface. Il peut jouer ce ballon en profondeur. Corner sifflé par l'arbitre. Bien vu au premier poteau.
Il peut centrer. Il passe en retrait. Quelle frappe! Le gardien pour la première intervention et le défenseur ensuite. D'Alessandro. Attention en défense, ça peut aller très vite. Quelle autorité dans le geste. On a passé l'heure de jeu. Voilà. Oh, ça peut faire but. Ballon repoussé des points par le gardien. Corner. Et changement de joueur. Ah, il est haut ce ballon. Le danger est écarté. Guignassou. Kléber. D'Alessandro. Alessandro. Il se heurte à une défense impeccable. Guignassou. Voilà un beau ballon. Il va frapper. Il est dans la surface. La frappe. À l'arrivée, aucun frisson pour le gardien là. Ah, il avait réussi le plus difficile, prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Giuliano. Alessandro. D'Alessandro. Oh, bon appel sur le côté. On approche le dernier quart d'heure. Il s'impose et récupère le ballon. Ça n'échappera pas au gardien. Guignassou. Alessandro. Kléber. D'Alessandro. Mais il percute sur l'aile. Touche. Ah, un match qui va peut-être là changer de physionomie. Un bon ballon là-haut, il est exploitable. Il est dans la surface. Oh, il marque. Et deuxième but, ça devrait suffire pour s'imposer. Ah, vu sa position, il n'avait vraiment que le pied droit à utiliser. Il a parfaitement fait. Vous entendez, ils sont déçus et ils l'expriment assez clairement, ça s'entend. À lui de jouer maintenant. Passe en profondeur. Giuliano. Et ce ballon, il va remonter très vite. Il reste du terrain à parcourir. Voilà un corner et la pression qui augmente. C'est très haut. Et pour la défense, c'est une remise en jeu dangereuse. Bien
Bien joué, la demi-volée. Ils l'ont gagné, un nouveau corner. C'est bien travaillé, vers le but. Comme elle vient. Oh, il a l'air chaud, chaud, ça va être dur pour les attaquants. Ils ont toujours le ballon. Et il doit proposer une solution. Oh, quelle frappe! Et 1, et 2, et 3-0, le match parfait. Un superbe passe, une superbe coordination entre le passeur et le buteur. C'était un but magnifique. Le doublé pour lui. Et bien joué de la part de la défense. Et c'est fini, le coup de sifflet final de l'arbitre. Quel